Et salut tout le monde, c'est Grafa EgoCraft et je suis en compagnie de Revan. Salut Revan. Salut tout le monde. Donc nous sommes partis pour faire une petite partie sur Castle Crusher. Donc nous avons pas beaucoup de voix aujourd'hui parce que nous sommes dans un lieu assez incongru. Un lieu public. Donc nous avons une bonne co pour pouvoir filmer et ainsi de suite. Donc c'est surtout une vidéo test qu'on va vous montrer aujourd'hui. Donc je te propose une nouvelle histoire, donc on prend chacun un nouveau personnage. C'est ce que je te propose aussi. Ok. Donc pour ma part, pour ma part j'ai déjà pas mal joué au jeu. Alors, c'est celui qui arrête pas de bouger dans tous les sens. Et moi j'ai mon préféré qui est tout le rose, parce qu'on s'est joué éclaté avec des amis. Et aujourd'hui j'allais te dire que j'allais me prendre le dark. Je me suis pas acheté pour rien. Tu l'as pris toi les DLC ou pas? Ah pas du tout non. Parce que, je te jure que le petit gars rose, on s'amuse bien avec. Hein. Une vraie petite tarte. J'imagine. Ouais, il crache des arcs-en-ciel. Donc moi, Revan, donc je serai le rouge et Grafa sera le petit violet avec des bois sur la tête. Le Dark World. Ah ah ah. Je ressemble plus à un cerf quand même. Bon, non, il y a possibilité de parler aux gens, mais on s'en fout. Ça, je savais pas. Bon, j'ai déjà débloqué quelques objets et... Oh ah non, j'ai pas plus. Ok, on y va. Donc en fait, l'histoire est répétitive, hein, bien sûr, dans un sens. C'est juste du combat des petits gars, un gars qui a volé un cristal et le but est de le récupérer. C'est ça. Donc j'espère qu'on m'entend parce qu'on parle pas très 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 fort pour éviter de gêner. J'ai peur de gêner en fait. Il y a rien autour. Tu et surtout qu'en fait j'ai un peu la voix cassée. Si je vois, c'est partir en note totalement noise. Donc en fait c'est vraiment un beat'em all où voilà on avance. Donc on bute des petits gars. Non. En vous pouvez voir, on a donc notre barre de vie, une barre de mana et une petite barre d'expérience en dessous. Et donc voilà, le principe c'est voilà, plus on tuera d'ennemis, plus l'expérience va monter. Et puis voilà. Un beat'em all RPG, tout ce qu'il y a de plus simple. Mais les graphismes sont plutôt sympas. Ouais, c'est bah, en fait c'est la même fondation que Battleblock Theater. Ouais. Donc c'est pour ça qu'on peut même retrouver les personnages des créateurs de Battleblock Theater. C'est ça. Ouais. Dont une espèce d'alien. Je sais pas trop c'est quoi l'autre jeu. Une espèce d'alien abeille. Après il y en a qui vont sortir. Je vous attends. Don. J'adore le crapaud qui sort quoi. Donc là c'est encore une fois un petit jeu découverte. Hein. On retrouvera, je sais même pas le temps d'ailleurs, on fera ça un peu au pif. Certainement jusqu'au boss, hein, moi, je propose, à moins que ce soit trop rapide. Ça ira très vite ouais, je pense. Mais moi je vous proposerai après le boss qu'on se fasse une petite compétition avec notre cher ami Revan où on va bourriner sur nos claviers. Non? Ah, pourquoi pas. Parce que ça, je m'amusais bien avec d'autres potes que quand on a joué à ce jeu. C'était le jeu de manger plus vite son repas. Et moi, ça m'avait bien amusé. C'était un jeu que je trouvais très sympa. Alors lui, il va pas mourir. Ah, je me suis pris un coup. Ah, savais-tu aussi que, en fait, en jouant avec le jeu et en terminant le jeu avec certains personnages, tu pouvais débloquer d'autres personnages? J'imagine, oui, puisque vu le nombre de persos qu'on peut débloquer... Donc en fait, pour t'expliquer, le joueur gris que tu vois passer par là... Je sais, je l'ai débloqué. Le noir? Le petit gris. Ah, bon, j'explique tout simplement. Le petit gris, une fois qu'on finit le jeu, je vais quand même attaquer aussi. C'est une bonne idée. Donc le petit gris, en fait, si tu arrives à finir avec le jeu avec, donc tu arrives à battre le roi et ainsi de suite, tu as le chevalier noir qui va apparaître. Et c'est je sais pas si c'est un ennemi, mais je crois que c'est un chevalier noir. Pareil, si tu finis le jeu avec le chevalier rouge, t'as le chevalier ardent, une espèce de chevalier ardent qui arrive à venir aussi à ton tour pour jouer avec, et ainsi de suite. Bien sûr, chacun a ses propres effets, comme le mien, c'est d'invoquer un espèce de crapaud, et le tien, normalement, c'est de faire du feu, si je me gourre pas. Électricité, normalement. Électricité, le rouge. Je sais plus comment on fait. En fait, tu cliques sur D et tu appuies sur S. Tu charges d'un magie. Appuie sur S.
J'aime bien charger ma magie et déjà on n'a pas les mêmes touches donc Ah, pas faux. Tu dois... Toi c'est peut-être aussi le shift parce que je pense que je l'ai changé. C'était shift avant je crois et que je l'ai viré parce que j'aimais pas utiliser shift. Parce que je préfère jouer normalement avec une manette et je n'ai pas la manette sur moi au moment où on fait cette vidéo. Mais c'est pas grave, on fait avec. Mais foutez le camp, Buc. Ah, ça y est, t'as monté niveau 2. Je t'y donne une nouvelle capacité. Ah, j'ai un ami qui s'amuse à se connecter. Je l'ai pas vu que j'ai été oublié de me déconnecter. C'est pas grave. Ah bah si j'étais déconnecté aussi, ça, on n'aurait pas pu jouer ensemble si. C'est... Non, on n'aurait pas pu. Bon bah alors désolé pour les petits messages qui vont être importants. Le son, à mon avis, va pas être très fort, mais je vais m'amuser à l'augmenter. Vous inquiétez pas, même si on va nous entendre qu'à moitié. Waouh, je lui ai fait un enchaînement de malade. Donc même si vous n'entendrez pas vraiment, je vais essayer de faire en sorte d'augmenter un peu le son dans le jeu en améliorant le contraste. Hein. Et en augmentant, je crois, deux fois la puissance du son que vous allez avoir. Que on est en train d'émettre sur ce pauvre petit micro qui n'entend quasiment rien. Et avec ma voix rauque et dégueulasse, ça va être encore plus chiant. Ça y est, à mon tour de passer niveau 2. D'ailleurs, ça fait penser que Battle Plot Theater, j'avais fait une vidéo et que cette vidéo n'a pas passé sur YouTube. Ça ? Non. Ah, ça y est, premier boss. Il va falloir en refaire une. En fait, je t'explique, il y a eu un problème avec une autre vidéo, comme quoi il y avait un... Enfin, c'était pas possible de le faire, comme si le jeu n'était pas accepté sur YouTube, comme si c'était... de l'interdit, clairement. Bon, ça, après, ça peut arriver, hein, sur certains trucs, qu'il n'y a pas de possibilité. Ouh, je me suis pris une... Aïe, ça fait fort mal. Ah, mais arrête de m'écraser. Le coup de crapaud. J'esquive. Waouh. Bon, ça fait défoncer. Moi, bien sûr, c'est une... C'est... Le jeu, je me suis un peu habitué, même si ça fait longtemps que j'ai pas joué au jeu comme ça. Ah, on a gagné. Ouais, je l'ai bien défoncé. Mais moi, j'ai déjà fait une partie, on était à 4 à jouer, et je vous jure. Le jeu, quand tu joues, au plus vous jouez nombreux, au plus il y a de monstres, et au plus ils sont puissants. Bah, forcément, sinon ce serait pas... Sinon, ce serait trop facile. Et je vous jure qu'on s'était vraiment éclaté. On avait fait un truc de malade avec, en plus. On avait fait des trucs de malade avec. J'espère juste qu'on va pouvoir encore jouer avec mes autres potes. Et pourquoi pas toi, tu en plus. Ce serait une bonne idée. À un moment donné, on a le temps. Mais on Donc a ça, c'est ça, le temps. Ouais. Mais comme tu sais, pour moi, le temps, c'est de l'argent. Non, j'ai que... Parce que je n'y gagne rien à faire des vidéos. Mais... Pour l'instant. J'ai... Non, pour le moment, en fait, comme je suis pas... Ah, j'ai pas encore le double... la charge en sautant. J'aime bien ce crapaud en fait. Pour sa classe. Pas toi ? Toi, vas-y, essaie de faire une attaque. Chargé. J'ai fait, c'est ça. Ah. C'est nul. Ouais. J'aurais bien voulu te montrer quand même l'attaque de la rose, ces arcs-en-ciel. Elle nous chie des arcs-en-ciel totalement. Ou elle nous vomit, je ne sais pas. Mais en sorte où si ça touche un ennemi, ça te fait un geste peace. C'est totalement le... La guettitude maximale. Tout à fait. Pareil, sa deuxième attaque, quand on utilise les flèches, parce qu'on peut aussi utiliser des flèches, sauf que moi, je suis mis en comme quoi... Ah, oh, pas mal, regarde-moi ces flèches. Ouais, moi, c'est des flèches... De base. Flèches, ouais. Avec le joueur de Battle Block Theater, c'est des flèches en émeraude. Ouais, elles sont vachement sympas. Même si elles font pas aussi mal que... Comme on le peut. Désolé pour les bruits qu'il y a autour, hein. Comme je l'ai dit, nous sommes dans un lieu public. Et nous sommes maintenant ce boss de cette zone. C'est ça. Et je vais me faire écraser comme une grosse merde, comme d'habitude. Ah, il est énorme. Ah non, j'ai rien dit. Il est encore plus gros. Bon, j'étais obligé de la faire, hein, mais... Bon, il n'est pas arrivé encore une seule fois. Je ne me suis pas fait écraser.
comme je vous l'avais dit. Comment il s'est foutu de ta gueule? Total. Oh, voilà. Voilà, on l'esquive. Et je suis au second plan. Et je vais me faire. Oh, c'est bon? Et tu esquives, et tu esquives, et tu frappes, tu frappes, je frappe pas. Je frappe dans le vide, mais c'est pas possible. Wow! Yeah! Mais il nous cache totalement, parce que ça y est, il s'enfuit avec les princesses. Ah, je sais, il va se passer un truc assez sympa tout à l'heure. Alors, laisse-moi manger une banane. Parce qu'il faudrait aussi qu'on soit à égalité hein, niveau point de vie. Hein. Sinon, c'est dégueulasse. Ah, moi, c'est juste que je me suis pas encore vraiment fait toucher depuis le début. Et banane pour moi. Donc, en fait, moi, je vais tuer les petits joueurs. Ah, non! Ouais. Et moi, comme un gros lâche, je tue un gars qui est derrière. Bon, allez, on arrive. Et je le finis. Merci. Non, je crois que c'est plus moi qui l'ai fini, mais bon. Ouais, de l'argent. Moi, j'étais sur le côté en train de rien faire. Ah, merci pour l'argent. De l'argent. Je suis pas sûr que c'est toujours comme ça. Hein. Sur certains boss, si, mais pas tous. Oups, j'ai raté mon coup. Non, pas tous. J'ai raté. Ouah. Tata. Et c'est comme ça. Voilà. Oh, The Battle Love. Mais qui va gagner? Allez pour moi. Va vomir. Oh merde. Va vomir. Ouah, ça fait mal. Là. Bim. Oh, je t'ai eu. Et c'est qui a le droit au bisou? Chez qui a le droit au bisou? J'ai pas compris qu'on pouvait vraiment se battre en fait. Ah non mais, c'est pour ça que je t'ai dit, laisse-moi des points de vie. Ça va, j'avais peur de perdre. Alors comme vous voyez, là j'ai encore fait un peu de marbre, désolé. Mais là, c'est le risque du métier, quand il fait froid. Voilà, donc, voilà, t'as gagné des points, vas-y, je te laisse mettre dans tes attributs. Et pour ma part, oula. Mettre un peu en puissance. Oula, ça y est. La voix est partie là. Non, on avait dit qu'on allait faire un truc après. On va faire un truc après. Ouais. Hop. Donc nous voilà dans le menu principal. On va quitter. Quitter le jeu. Pas quitter le jeu. Mince, je sais plus. Ah génial. Vas-y, quitte le. Quitte le jeu. C'est pas grave. Okay. Je te réinvite. N'hésite pas à réinviter donc dans l'autre jeu. On va bourriner le clavier pour une petite dernière. On a déjà fait le truc. Pas besoin de m'inviter, t'inquiète, je vais te chercher. Pas besoin de m'inviter, je t'ai dit. Trop tard. Voilà. Donc, même avec ma voix rauque qui est totalement perdue, nous allons faire quand même notre petite partie. Et si je me gourre pas, ça va être génial. Alors, je sais plus où je suis. Je suis là. Je sais plus les boutons à utiliser. Ah, mais je sais pas, je. Jamais. Déjà, on se fait avoir. Niquer. C'est A. A et. J'ai trouvé. C'est AR. Oh! On y est en fait. Ah merde, il y a un A. Ok. Ah non, merde. Ah, j'ai bu. Où est-ce qu'il est là? Je sais même pas. Je. Oh, c'est trop dur. Bon, on est sur des claviers. Je vous jure que c'est vraiment moins facile sur des claviers. Est-ce qu'on sait pas où est-ce que sont les touches? Ah. Mon jeté. Ah ah. Ika.
Oui, qui est le A? Le A, j'appuie sur tous les boutons, c'est bon. Là, je me fais poutrer. Allez! Zouille. Ah. Ah, bravo à ce joueur inutile qui était un simple ordinateur et on s'est fait poutrer. Oh, j'ai déjà gagné au jeu. Ah ouais, mais je veux. Waouh. Je pensais pas que ça allait repartir aussi vite. Bon, c'est reparti. Clavier. Je pense qu'il va me perdre, il va gagner, pardon. Ah là, c'est bien parti, ouais. Grapha est tout rouge, je sais même pas. Et en fait, je sais pas c'est quoi le bouton, j'appuie sur tous mes boutons en un coup. Ça va tout de suite mieux quand on a compris les boutons. Là. Ouais, mais pas moi. En fait, mes boutons, habituellement, je pensais que c'était deux boutons. Parce que vous savez, il y a un jeu qui s'appelle The Escarpist. Et ça fait à peu près pareil en fait, où tu dois bourriner sur tes boutons pour t'entraîner. Et les deux boutons c'est A et E. Et j'ai trouvé une technique pour pouvoir. Ah, t'as gagné. Bim! C'était une belle partie, bravo. Ah, ouais. Ah là, je me suis fait poutrer la figure. Ah, pas de revanche. Hop, top. Non, stop. Donc voilà. Donc j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo avec ma voix rauque qui est dégueulasse. Mais j'espère que vous avez apprécié. On a fait un premier test dans un lieu où il y a possibilité qu'on puisse jouer à deux parce qu'on a des petits problèmes de connexion chez nous. Maintenant, on verra bien si tout va bien. Oh, ma voix est vraiment morte. C'est un truc de fou. Ouais, là, c'est ça sent la fin. Je te laisse finir. Ça sent la fin, c'est 67 ans. Ouais, donc voilà, comme il disait, donc voilà, c'était un petit jeu de découverte pour voilà, vous montrer un peu Castle Crusher. Il y aura peut-être possibilité qu'on refasse des petits jeux comme ça en multi, parce que comme il disait, donc on a trouvé un petit endroit où on peut avoir une bonne connexion, que ce soit pour lui et pour moi. Comme ça, il y a moyen qu'on joue en jeu local à deux, et connecté par internet, donc ça se passe très très bien. Ouais. Voilà, quoi dire de plus, bah, je pense qu'on va mettre fin à cette vidéo. Je sais pas du tout à combien de temps on arrive. Non, moi non plus. Ne vous inquiétez pas, ma voix est un peu revenue. J'ai réussi à régler le problème. Donc n'hésitez pas à liker, commenter, à vous abonner à la chaîne. Ne vous inquiétez pas, je remonterai le son pour ce que, à mon avis, vous n'allez rien entendre avec ce qui se passe. Donc j'espère juste que le bruit sonore ne va pas vous embêter, surtout les clics, 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 clics qu'il va y avoir à la fin. Ah, ça. Mais ça, j'essaierai de gérer. Ne vous inquiétez pas, je verrai le montage. Donc voilà. Allez, ciao tout le monde. Bye. Salut.